Salut à tous, c'est Ralga pour ce 14e épisode de Regard dans le rétro sur Pokémon Jaune. 14e et, je l'espère, dernier épisode. En effet, nous allons normalement aujourd'hui faire la Ligue Pokémon. Donc je l'espère sans mourir. Sinon ce sera pas le dernier épisode, hein, mais normalement ce sera le dernier. Donc je suis un peu de ménage pour l'instant, je vais m'acheter des potions, des total soins, des rappels. Donc je rappelle que dans notre petit concours avec Yakipon, Jack et Tauren, même s'il a dû abandonner pour des raisons indépendantes de sa volonté, le temps qui fait foi est le temps à la fin de la ligue, rival compris. C'est-à-dire le temps affiché quand dans le Hall of Fame. Enfin, pour ceux qui n'ont pas joué à Pokémon, à la fin de la ligue, il y a un Hall of Fame qui nous présente tous nos Pokémon qui ont vaincu la ligue, ainsi que les temps du joueur. Et c'est ce temps affiché qui fait foi. Donc, hop, normalement j'ai fini. Je vérifie. Ouais. Je vais remettre la bicyclette en premier, même si ça sert à rien. Évidemment, je vais pas avoir besoin de la bicyclette à la ligue. Hop. Blablabla. Donc, je vais prendre des rappels, hein, parce que je suppose que mes Pokémon vont mourir pas mal de fois. Et je vais prendre des potions max. Là, vous allez me dire, pourquoi des potions max et pas des guérisons? En fait, les potions max redonnent tous les points de vie à un Pokémon, les guérisons redonnent tous les points de vie à un Pokémon et soignent les statues. C'est-à-dire brûler, empoisonner, geler, paralyser, et ça doit être à peu près tout. Sauf que dans plein de cas, en fait, ça, l'effet supplémentaire de guérison des statues ne nous sert à rien. En effet, il y a très peu de Pokémon en fait qui font modifier notre statut. Donc du coup, je prends des total soins et je prends des potions max et quelques total soins qui eux soignent uniquement les statuts et ne redonnent pas de points de vie pour les cas où j'en aurais besoin. Ça me permet d'économiser un peu d'argent. Donc premier dresseur ou dresseuse plutôt, en l'occurrence Olga et ses Pokémon glace, qui devrait être l'un des dresseurs les plus difficiles à affronter. Hop. Donc ouais, vous voyez déjà que... Bon, ça va, l'IA est un peu stupide. Hop. Bon, pour le moment ça se passe pas trop mal. En fait, le gros problème de Lamantine, c'est son attaque repos qui l'endort et qui lui redonne tous ses points de vie. Donc en fait l'idée c'est de mettre Onde Folie en premier pour qu'une partie des attaques ne passe pas. Oh purée, elle s'est endormie, comme elle a plus de level que moi, elle a attaqué en premier. Donc, forcément la hypnose ne marche pas. Bon, je vais aller à Dévorev du coup, qui ne marche que sur les Pokémon endormis. Hop. Purée, c'est assez réveillé. Remettre une folie. Elle s'est re-rendormie, purée. Bon. Ça serait bien que ça se passe un peu mieux que ça quand même. Bon, Dévorev va passer. Hop, hop, hop. Ça va être long. Je sens que ça va être long. Voilà. Et même les attaques me critiquent même pas quoi. Bon, inflige-toi des dégâts, moi ça me va. Il y a un gros facteur chance quand même, hein, dans l'histoire. En gros faudrait que elle s'inflige des dégâts en continu, qu'elle ne puisse pas faire repos. Bon, je vais essayer de l'endormir en premier. Oh, wow, 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 wow. Purée, j'ai pas réussi à l'endormir. Bon, j'essaie de lui faire des dégâts.
Normalement, ça ne devrait pas la tuer. Oh non. Je sais pas ce que je fais du coup. Psycho pour l'achever. Non! 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 Je ne suis pas d'accord. Allez, affiche-toi des dégâts, affiche-toi des dégâts. Non! Non! Bon. Nous sommes sur le premier club Pokémon du premier dresseur du conseil des 4 et nous galérons déjà. Bon. Sachant que dans l'histoire j'ai un autre problème que je sais pas trop comment il va se goupiller sur la partie, c'est le nombre de PP des attaques. Parce que du coup je... Bon, elle s'endort, ça me va. Je disais donc le nombre de PP des attaques qui est quand même assez bas et comme je dois utiliser énormément d'attaques, ça risque d'être un peu compliqué. Hop. Hop. Un deuxième des vos rêves. Je sais pas trop. Non mais non. Pourquoi ça a rien fait? Alors qu'avant ça avait fait beaucoup de dégâts. Bon, j'ai fait psycho au cas où elle se réveillait, mais non, apparemment elle a pas envie de se réveiller encore. Voilà. Lamantine mort, enfin. Voilà. Donc ensuite, nous avons un Crustabri, donc un haut glace aussi. Alors là, le principe sur Rolga, le plus simple aurait été d'avoir un Pokémon électrique. Sauf que mon Pikachu est level 19. Donc je ne ferai aucun dégât. Et le seul autre Pokémon qui a une attaque électrique, c'est Ronflex. Qui a tonnerre, mais comme il a forcément pas énormément de level non plus, mais plus que Pikachu quand même. Et mais il a aucune vitesse. Donc là je vais utiliser Toxique, hein, donc, pendant que je parlais j'ai utilisé Toxique. Toxique qui est une attaque poison vraiment vraiment exceptionnelle. Je vais pas utiliser sur la Lamantine à cause de repos parce que du coup le poison ne serait pas resté. À chaque tour, les dégâts subis du poison augmentent d'un cran. Donc au bout de 4-5 tours, ça fait énormément de dégâts. Voilà, donc là, normalement, ça prend au moins 4 tics, je crois, d'un coup. Alors, ultrason. Donc là, normalement, il devrait mourir. Il est mort. Donc, j'ai moins galéré sur celui-là, quand même. Flagados, un Opsy, je crois. Il n'a pas le type glace. Je sais pas trop, du coup. Bref. Je sais pas si je garde Articodin. Allez, je vais tenter la même technique avec Toxique. Ah oh, purée, c'est vrai, il est un... Il est confus. Un gang du SP, ok. Mais non, mais je veux attaquer. Ouh. Hop. Voilà, Toxique. Surf, donc surf, je devrais le tanker. Bah oui, bien sûr. Première utilisation de potion max. Hop. Bon, resurf. Bon. Je sais que je le tank du coup. Hop, un deuxième type de poison. Voilà. Ah purée, c'est vrai, je suis toujours confus. Bon, je m'envole. Pourquoi j'utilise vol? Parce que du coup, ça va faire deux tours. Hein. Donc deux tours, deux poisons. Alors que ça devrait pas faire énormément de dégâts. Même surtout quand ça rate, hein, en effet. Ah, c'est pas gentil ça.
C'est pas gentil, gentil. C'est pas gentil. Oh, pou, pou, pou. Ok. Bon. Comme j'avais remarqué que j'avais la priorité, je vais m'envoler. Hein. En espérant que le poison le tue. Ou le vole. Oh, oh non. Le poison va le tuer ou pas? Ouf. Le poison l'a tué. Bon. Flagados passé. Nous avons maintenant Lipoutou. Je vais utiliser la même strat. Hein. Savoir toxique. Voilà. Et le faire durer le combat. Bon. Voilà. Un nouveau vol. Oh purée. Hop. Donc, le deuxième. Oh ! Ah bah ok. Je vais dire que le tic de mania allait tuer Articodin, mais non. D'accord. Le vol critique qui a quasiment one shot Lipoutou, moi ça me va. Hein. Hop. Donc là je remets Spectrum. Je vais mettre une folie en open. Hein. Hop. Ok, lui aussi fait une folie. Donc en fait je fais ça pour pouvoir soigner Articodin. En espérant que Spectrum tanque une partie des attaques. Hop, ça fouille l'infuse des dégâts, moi ça me va. Psychopasse, ça me va aussi. Oh purée. Du coup, je vais caser une onde folie aussi. Bon, là je m'inflige des dégâts. Bon, on fasse le classe spam onde folie, moi ça me va. Hop. Allez, inflige-toi des dégâts. J'ai plus de psycho, donc je vais remettre Articodin. Hop. Oh purée. Bon, combat de folie. Bon, ok. Toxique ne passe pas, parce que ça ne marche pas à 100%. Hop. Bon, toxique passe du coup cette fois-ci. Bon, et maintenant. Oh, hydrocanon qui échoue. C'est dommage. Hop, vol. Ah non, bon bah pas vol. Bon, hydrocanon cette fois-ci passe. Articodin devrait le tanker, j'espère. Bon, c'est bon. Hop, le poison. Et le vol va le tuer ou pas? Non. Oh purée, hydrocanon. Oh bah. J'ai quand même énormément de chance hein, sur cette sur ce combat. Hop. Donc premier dresseur vaincu. Avec quelques difficultés, notamment sur la mantine. Et un peu low class, mais moins pire que ce que je pensais. Donc blablabla. Nous allons donc maintenant faire le deuxième dresseur qui est Aldo, je crois. Hop. Hop, on va remonter les points de vie d'Articodin. Bon, je gaspille. Je vais vérifier. Popopom. Articodin en premier, du coup.
donc Aldo. Aldo, spécialiste des Pokémon combat. Sauf que il a également deux Onyx, en plus de Kikli, Tainion et Maconier. Et du coup, j'ai mis Articuno en premier pour gérer le Onyx, qui normalement devrait être son premier Pokémon. C'est ça. Donc, Pokémon en roche, donc face à un Pokémon glace, il ne va pas faire long feu. Donc, un petit laser glace des familles. Et c'est le one shot. Bon, ok. Donc, maintenant nous avons Tignon. Et face à Tignon, je vais mettre Spectrum. En effet, Spectrum étant un spectre, il est insensible aux attaques physiques, donc aux attaques. Comment dire? Aux attaques de type combat, du coup. Sauf point éclair qui est pas considéré comme une attaque physique, mais bon, c'est pas grave. Et puis, bah, défense plus si tu veux, je vais t'attaquer avec du spécial. Hop. J'utilisais un élixir pour remonter les PP des attaques. En fait, j'avais plus de. Oula, j'aime pas ça. J'aime pas trop beaucoup ça. Oh, je brûle. Ok. Bon, ça me fait pas trop de dégâts. Hop, il s'inflige des dégâts. Psycho, il ne l'aime pas du tout. Voilà, donc Tignon mort. Tignon, Tainion, je sais pas comment on le prononce en fait. Donc Kikli, bah même combat. Hein. En espérant que les 26 PV survivent, mais il me semble que lui normalement a que des attaques physiques. Voilà, pas d'effet sur Spectrum. Il se fait des dégâts tout seul en plus. Hop, Psycho. Allez, inflige-toi des dégâts. Oh là, j'ai beaucoup de dégâts. Ah bah ok, il est mort. Bah ok, moi ça me va. Onyx, bah du coup on va re-switcher, on va mettre Articodin. Hop. Deuxième Onyx a plus de niveau. Mais sur one shot quand même. Ok. Et il nous reste Maconier. Et on va mettre Spectrum avec 22 PV et en train de brûler. Onde folie, hein, pour du coup éviter une partie des attaques et qu'il se fasse mal tout seul. Bon. Voilà, déjà ça fige des dégâts. Psycho va lui faire assez mal. Hop. Gros yeux. Sérieusement. À ce level, il y a encore des gens qui ont des Pokémon avec gros yeux. Ok. Ça va passer large, vous voyez, j'ai 10 PV, c'est large. Hop. Et voilà, Aldo vaincu, donc deuxième dresseur beaucoup plus facile à vaincre. Hop, donc on va soigner Spectrum, donc soigner les brûlures. Et lui remonter sa vie. Voilà. Donc maintenant nous allons aller affronter Agatha et ses Pokémon Spectre. Hop. Donc j'ai mis Triopiqueur en premier. En effet, les Pokémon Spectre, à savoir Fantominus, Spectrum et Ectoplasma, ont un double type, le type Poison, ce qui les rend sensibles aux attaques sol. Donc séisme, tunnel, tout ça.
Hop, ton ectoplasma direct, ok. Donc trio piqueur. Bah séisme. Oh purée, bon, onde folie. Ça va être chiant. Et ça inflige des dégâts en plus. Oh, 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 méga sensu, attaque plante, donc qui fait très mal sur trio piqueur. D'accord. D'accord. Ok, d'accord. Bah, je vais y aller voir Ticodin, mais ça va être vachement plus galère. En l'occurrence, je peux pas le faire au toxique à cause du double type poison. Bon, d'accord, one shot de Nosferalto. Moi, ça me va, hein. Ça fait toujours un Pokémon mort dans l'histoire. Pas un à moi. Hein. Donc il va remettre un ectoplasma, donc bah, je vais tenter de le faire tout au laser glace, c'est au blizzard. Pourquoi re-switch? Spectrum. Ah bah il est gelé en plus. Hop. J'utilise vol hein, pour... comment dire? Pour économiser les PP de laser glace. Que j'en avoir besoin juste après. Bon. Le retour d'ectoplasma. Est-ce que je vais réussir à caser un laser glace? Ça par contre c'est pas très efficace. Ouais. Hop, laser glace. Oh là, les chouilles. Ça paralyse ça, non? Oui, ça paralyse, en effet. Bon, je m'envole quand même. Purée, c'est vrai. Super potion. Oh, shit. Oh, merde. Crotte, zut. Mais, l'IA est bête. Gaspiller un clonage, du coup. Oh là, ça c'est du poison. Bon, ça va. Bon, ok. Au revoir, Arbok. Plaisir de t'avoir rencontré. Bah non. C'était pas du tout comme ça que je pensais faire le dresseur. Mais ça marche pas trop mal, manifestement. Purée. Bon, le vol passe. Elle a fini de switcher. Hop. Mais je suis déjà fou. Bon. Hop. Oh. Wow, 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 wow. Bon, c'est bon, je le tiens. Bon, lui devrait mourir. Même pas. Oh purée. Mais arrête de switch. Bon, après, comme à switch, ça me donne l'avantage à chaque fois en priorité, donc je dis pas non. Et il reste donc l'ectoplasma level 60 qui a presque plus de vie. Donc un petit laser glace devrait lui faire le plus grand bien. S'il passe. Il ne passe pas. Bon, allez. Voilà. Ouf. Bon. Eh bien, Agatha, vaincu aussi. Bah, heureusement que j'avais Articodin, franchement. Hein, parce que si je devais compter sur Trio Picker, je pense que j'en aurais chié un peu plus. Blablabla. Donc on va commencer par soigner Articodin. Hop. On va lui enlever la paralysie. On va rester Trio Picker.
Où sont les rappels? Ici. Et bizarrement, c'est le premier rappel que j'utilise. Je pensais en utiliser beaucoup plus que ça. Hop, j'ai utilisé. Remonter full vie. C'est un peu du gaspillage, mais bon, j'en ai pris pas mal pour ça. Bon, là, je vais aller voir le Peter, le dernier dresseur du Conseil des 4, qui a des Pokémon dragons. Dragons qui ont comme faiblesse le type dragon. Oui, oui. Et le type glace. Et c'est là que je suis content d'avoir récupéré Articodin. Voilà. Bla bla bla. Bla 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 bla. Donc si je dis pas de bêtises, il a un Dracolos, un ou deux Draco, un Ptera et un Léviator, ça doit être ça. Léviator qui n'a même pas le type dragon en fait. Hop, oh, purée. Qui est un type eau. Juste eau d'ailleurs, il me semble. Ah oh. Ultra laser critique. C'est pas gentil, gentil ça. Alors, ultra laser, l'attaque la plus puissante du jeu. Qui a une précision assez faible, qui demande un tour de recharge à l'utilisateur après. Sauf si elle tue un Pokémon d'ailleurs, ce qui a été corrigé dans les versions Pokémon suivantes, mais pas dans la première génération. Donc là, ça va me. Ça me dérange un peu. Le Dracorage. Ça, normalement, je le tank. Oui. Je vais utiliser du coup l'huile parce que j'ai vu que il n'y avait plus de laser glace. Voilà. Bon, Dracorage, vas-y, fais Mumus si tu veux. Bah tonnerre. Hein. Ça, par contre, je risque de ne pas le tanker. En effet. Bon, bah ça tombe bien, je vais pouvoir remettre Articodin. Vol. Bon, voilà. Oh, oh. Bon, bah, tout est à recommencer. Oh, Léviator gelé. Ça, c'est bien. Parce que du coup, maintenant, il ne va plus, quasiment plus attaquer. Ou plus du tout, je sais plus. Et je vais avoir la priorité en plus. On vole pour économiser du laser glace. LOL. Bon. Voilà. Bon, le Léviator n'est plus. Voilà. Draco. Donc lui a un Pokémon dragon pur. Donc bah non, maintenant je vais y aller à vos attaques glace. Hein. Donc laser glace est bizarre. Ah bah c'est un one shot. Ok. Je suis d'accord. Moi ça me va. Bah non, je vais faire exactement la même avec le deuxième Draco. Voilà. Ptera, qui n'a pas le type dragon normalement, si je dis pas d'utile, ça doit être un roche vol. Oh. Là, on vole toi. Bah, je vais faire vol aussi, du coup. Ah non. Bon, ça va, je... Il a la priorité, donc c'est bon, le laser glace va passer. Il va faire mal à cause du type sol. Vol, roche, pardon. Qui a one shot aussi. Bon, bah, d'accord. Et Dracolos, qui est aussi un dragon. Donc faible à la glace, lui aussi. Bah... Bizarre, allez.
Donc Blizzard qui fait plus de dégâts mais qui a une précision moindre, qui a une chance de rater. Donc pour l'instant, sur les 2-3 Blizzard que j'ai fait, ils sont tous passés, mais il y a une chance de rater. Non négligeable. Donc voilà, nous avons vaincu le conseil des 4. Mais pas tout à fait, parce qu'il nous reste le rival, donc Régis. Donc lui qui a des Pokémon de tous les types. Hop, voilà, je regarde juste pour le temps. Voilà, donc je remets toutes les PP. Potion max sur Articodin. Je vais raise le Ronflex. Hop. Hop, potion max. Et bah, je crois que nous sommes partis. J'ai gardé Articodin en premier. Oui, normalement son premier Pokémon, ça doit être un Sablero. Donc Pokémon sol, donc faible à la glace. Hop, Sablero, en effet, c'est bien ça. Hop, laser glace. Bon, one shot du Sablero, ça c'est fait, plus que 5. Le suivant c'est quoi? Non, je vais pas apprendre hâte. Hop, Alakazam. Oh, ça va être galère ça. Psycho. Oh là, ça va être un... Oh là, c'est pas bon ça. C'est pas gentil, gentil ça. Bon, je peux m'envoler. C'est bon. Bon, soin. Ok. Comme les Pokémon Psy de Morgane à Safrania, ils sont très faibles aux attaques physiques, donc vol fait assez mal. Comme Psycho d'ailleurs. Oh purée, Psycho critique. Bon, c'est pas exactement ce que j'espérais. Ronflex avec son pool de PV devrait le tanker. Le temps que je reste Articodin. Parce que j'en aurais besoin pour plus tard. Voilà. Wow. Ah d'accord. Ok. Oula, bon. Oh purée, j'ai pas la priorité. Est-ce que je vais le tenir? Bon bah non. Mais il a fait deux psychocritiques d'affilée. Bon. Ne paniquons pas, tout se passe exactement comme prévu. Hop, vas-y. Tout se passe exactement comme prévu. Mon réplincelle va mourir encore. Hein. Bon. Purée, troisième psychocritique. Non mais... mec, arrête. Hein. Bon, rappel. Articodin. Rafale Psy. Normalement, ça fait moins de dégâts que Psycho. Rafale Psy critique, mais c'est abusé. Faudrait calculer les stats, mais c'est quand même grave abusé. Bon.
Non mais non, pas soin. Oh purée. On vole. Non, non, non. Bon. Bon, à l'usure, je vais l'avoir. J'espère. Bon, voilà. À la case d'âme est mort, j'ai perdu 3 ou 4 Pokémon. Tout va bien. Bon, noix de coco, un plante psy, donc faible à la glace à cause de son type plante. Allez. Oh, je l'ai pas tué. Oh, purée. Mais arrêtez de me mettre des critiques, bordel. Ouf, bon. J'en ai fait 3. Il me reste 3. Il me reste Crustabri. Crustabri que j'ai déjà affronté au début de la ligue avec Olga. Il faudrait que j'utilise la même strat, c'est-à-dire toxique. Mais avant, je vais je vais sacrifier Pikachu. Obligé. Bon, ben voilà. Pour que remonter la ville d'Articodin. Donc il me reste maintenant que 2 Pokémon fiables. Et 3 Pokémon à affronter. Non, non, ne rate pas. Oh purée. Ah, je vais... Du coup, il m'a fait Claquart, donc je vais en profiter. Donc Claquart est une attaque du même genre que Ligotage et compagnie qui m'empêche d'attaquer. Ligotage... je sais plus, enfin... Les attaques d'abo, de sac de nœuds. Donc comme je peux pas attaquer, autant que j'utilise mes tours pour raise, parce que ça je peux le faire. Puis Claquart me fait pas énormément de dégâts, donc je peux le tanker. Moi ça me va. Par contre on sait jamais quand est-ce que Claquart se termine. C'est-à-dire que quand est-ce qu'on peut réattaquer derrière. Voilà, attaque encore, donc je pouvais pas encore attaquer. Hop. Purée, mais il veut pas que je passe toxique. Oula, piquen. Oh. Bon, ça, ça passe. Bon, le toxique passe. Enfin, au troisième coup. Bon, maintenant, il faut que je tanque. Hop. Trois coups. Quatre coups. Cinq coups. Bon. Bon, premier tic de poison. Bon bah un potion max sur Articodin, pas bien, pas trop le choix. Hop, Picanon encore. Bon, celle-là je la tiens. Peu importe le nombre de fois où il m'attaque. Deux fois c'est encore mieux. Hop. Bah vol. Voilà, deux tours de poison. Ah bah Claquart. Bah ok, fais Claquart si tu veux. De toute façon, tu vas mourir du poison au prochain tour ou au suivant. Bah... J'utilisais une potion. Hein. De toute façon, je peux pas attaquer. Et tu vas... Il va mourir au prochain tour. Hop. Hop. Voilà. Bon, finalement, ça s'est mieux goupillé que je peux... que ça aurait pu... Grâce au Claquart de Crustabri. Fenard. Alors là aussi, il va y aller, falloir y aller au poison. En effet, oui, ça échoue, oui. En effet, je suis faible aux attaques de type feu. Hop. Oh. Est-ce que je le tank? Il me semble que... Comme... Ah oui, je suis immobilisé, en effet, je peux pas attaquer. Bon, bah, potion, hein. Voilà.
Voilà, ça attaque sur plusieurs tours, comme du coup claquoire, ligotage et tout ça. Hop, sauf que pendant ce temps-là, il y a le poison qui commence à faire effet. Hop. Hop. Est-ce que je peux... Oui, ça échoue. Hop. Et vol, donc deux types de poison, plus les dégâts de vol. Voilà. C'est bon, il est mort. En vol critique en plus. Bon. Bon. C'est pas tout ça. Il me reste un seul Pokémon. Ce serait pas le moment de me faire de la merde. Sachant que les attaques électriques vont me faire très très mal. Mais Fatal Foudre échoue, oui. Hop. Parce que là, mon type Vol Glace me rend extrêmement sensible aux attaques foudre. Et Fatal Foudre qui échoue une deuxième fois, oui. Je dis oui. Troisième Fatal Foudre, sachant qu'il n'y en a que 5. Je dis oui. Je dis oui. Cage éclair, je m'en fiche, ça me paralyse, mais je m'en fiche. Hop, poison. Les arglaces sont pas très efficaces. Oh bah ça le tue quand même. Bon. Voilà, j'ai battu le rival, j'ai battu la ligue, c'est donc terminé. Enfin. Donc, notre petit concours est désormais terminé pour moi. Je ne sais pas les temps des autres, donc je ne peux pas m'avancer sur la victoire. Tout ce que je sais, c'est que j'étais bien placé jusque-là, mais je ne sais pas les temps. Donc on verra pour les autres, les temps que feront les autres. Donc toujours est-il que j'ai fini. J'ai fini. Donc blablabla, blablabla. Bla, bla. Donc j'ai traité mes Pokémon avec amour. Blablabla, blablabla. Bla bla. Je ne dois pas entièrement à tes qualités. Tu as tant baigné d'amour tes chers petits Pokémon. Blablabla, blablabla. Bla bla. Et donc, nous avons maintenant le Hall of Fame. Donc, ce dont je parlais au début de la vidéo. Allez, lance-toi le Hall of Fame. Donc Articodin qui a fait quand même pas mal du boulot. Le type glace est vraiment très efficace. Pikachu qui est toujours là malgré son level 19. J'ai été roleplay, j'ai gardé Pikachu jusqu'au bout. C'était pas forcément volontaire. Reptincelle qui finalement n'a même pas évolué en Dracaufeu alors que je voulais le faire évoluer en Dracaufeu. Ronflex qui m'a servi de tank pour raise les autres. En fait. Trio Picker qui est mort deux fois, je crois, et qui n'a jamais attaqué. Et Spectrum, qui est l'autre Pokémon avec Articodin qui a été le plus utile. Donc voilà, donc maintenant nous allons avoir le temps final, qui est de 8h et 1 minute. Même pas 8h pile quoi, c'est décevant. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est fini pour moi. N'hésitez pas à aller voir les vidéos de mes camarades s'ils n'ont pas fini eux. Puis partagez cette vidéo si elle vous a plu, tout ça évidemment. Suivez Vassound sur YouTube, sur les réseaux sociaux, vous avez les liens dans la description. Et puis à la prochaine, ciao !